Stop. Commence. Rambam écrit dans la Lachot Hametz ou Matzah que celui qui mange à Pessah du Hametz Kolchiou, ça veut dire n'importe quelle quantité, une miette, il transgresse un issur de la Torah. Pour être Ev Karet, manger un kazaït de Hametz. Kazaït, 28 grammes de Hametz. Il mange ça pendant Pessah. Il est chayav karet. Karet, c'est son âme et retranché du peuple. Maintenant, s'il mange moins que ça, il n'est pas chayav karet, mais il transgresse un issur de la Torah. Il est chayav de, comment on dit en français, flagellation. Hein? Malkout, c'est flagellation. Non, non, ce qu'il a, c'est la mort. Lapidation, c'est ce qu'il a. 39 coups. À l'époque de la Torah, quand il y avait le Beit HaMikdash, c'était comme ça. On prenait des lanières, une de Chamor, de Dan, et une de Taureau, etc., etc. On prenait comme ça 4 lanières. On prenait l'homme le plus fort du Beit Din. On lui levait le dos comme ça, on le mettait devant tout le monde et on mettait chaque coup le plus de toute sa force. Même si c'était pas fait exprès ? Non. Pour être Hayav Malkout, il faut Edim Vatra. J'ai jamais eu ça. Il faut deux, bien sûr. Il y a eu des condamnations comme ça ? Bien sûr, il y a condamnations à mort aussi. Il faut Edim Vatra, il faut deux témoins et un avertissement. Ça veut dire qu'il y a une petite miette de pain là comme ça. Voilà. Une petite miette de pain. Lui il vient. Il prend la miette, il va pour la mettre dans la bouche. Deux personnes y viennent, il dit attention. Si tu mets ça dans la bouche, le Khayav Malkout. Lui dit, tu es barré, et il met dans la bouche. Okay. On le prend en Beit Din. On lui donne Malkout. 39 coups de toutes les forces. D'abord, on l'amène chez un médecin professionnel pour voir s'il est capable, combien de coups il est capable de supporter. Il y en a, au bout de 20 coups, il meurt. Oui, s'il est tout fébrile. Mais pourquoi 39 et pas 20 et pas 40? Ouais. 39, c'est pas les 39, mais la fois, c'est 40. Merci. Non, c'était pourtant peut-être. Il y a vraiment des fréchottes. 39, c'est d'après le chat, il y a beaucoup de raisons. Aval 39, c'est la moyenne de ce qu'un homme peut supporter. Un en plus, il meurt. Des coups de fouet? Des coups de fouet. Mais c'est pas des coups de fouet normaux, c'est des coups de fouet. Donc d'abord on l'emmène chez le médecin. Le médecin il lui fait une vérification. Prise de sang, des radios, des trucs. Il dit le médecin au Beit Din, celui-là il peut encaisser 33. On l'emmène et on lui donne, ça veut dire le 33e coup, il est à la limite de la mort. Même pour les femmes c'était 39 coups. Pour tout le monde. Une femme pour frapper ou aussi un homme? Un homme, il faut toutes les forces. Ça, non, on découvre le dos. La femme, on ne découvrait pas le dos. L'homme, on découvre le dos. Et la femme aussi, c'est devant toute la famille? Devant tout le monde, pas la famille. Tout le monde. Oui, non. C'est assourd de faire un issour. Ça, c'est assourd. Ça sort de faire de la peine au Melech, ça c'est un saut. Il n'y a pas un texte dans la Gemara qui dit que ces condamnations-là, il n'y a jamais eu vraiment officiellement. Ce que tu dis, c'est un texte sur la Gemara sur la mort. Sur la mort. Sur la condamnation à mort. Oui. C'est là, sur la condamnation à mort. Alors on cherchait tous les moyens pour ne pas y arriver, bien qu'il y en a eu, des condamnations à mort. Mais sur la Malkout, flagellation, non, il y a eu. C'est quoi? Qui c'est qui est la Malkout? Tout celui qui transgresse un issour de la Torah. Négatif, où il y a une action. Celui qui a parlé de la Shonara, c'est un lave de Raïta, c'est un issur de la Torah négatif, mais il n'y a pas d'action. La parole n'est pas un acte. Oui, une mauvaise pensée, c'est un issur de Raïta. Quelqu'un va commencer à penser à des choses qui ne sont pas propres, mais il n'est pas Khayav Malkout, pourquoi il n'y a pas d'action?
Aval, quelqu'un qui va manger quelque chose d'interdit, par exemple, ça c'est une action. Shabbat. Quelqu'un, Shabbat, il est chayav plus que Matzah. Mita. Ah ouais? Chayav Mita, s'il fait le Mezit. Le Mezit, c'est exprès. Exprès. Il chayav Mita, Shabbat, on le tue. Quelqu'un qui va frapper son prochain, il chayav Malkout. Il va lever la main sur quelqu'un, il chayav Malkout. Mais d'un autre côté, si on peut mourir avec Malkout, c'est bien plus. C'est bien plus. On ne va pas mourir. On arrive à la limite de la mort. C'est pour ça qu'on l'emmène chez un expert pour savoir combien il peut encaisser de coups. Ah, c'est-à-dire combien on peut lui mettre au maximum. Exactement. Exactement. Quelqu'un qui mange un insecte, il prend de la laitue, et dans la laitue, il la vérifie pas, il n'achète pas de gustatif, il mange dans un restaurant où il n'y a pas d'herchère, des choses comme ça. Il va en France, par exemple. Il dit, moi, je mange que de la laitue. C'est moutard. Hein? Comme ça, ils te disent. Là, il mange que de la pizza. Là, il mange au McDo, le fish. Au McDo. C'est du poisson. Le poisson. C'est peut-être plus ta rêve que le morceau de porc là-bas. Et tout ce qu'il mélange là-bas. Il ne faut pas manger. Ah, lui, il dit non, moi je mange que la salade. La salade, c'est cachère ? Oui. Moi je mange que la salade verte. D'accord, la briote. Dans la salade verte, il y a des vers. Celui qui ne sait pas la vérifier, c'est sûr qu'il mange des vers. Sur chaque insecte qui est mangé, on est chayav 5 fois malkout. 5 fois 39 coups. Maintenant, on a dit l'expert, il évalue combien il peut encaisser. Disons qu'il peut encaisser 35 coups. Alors on lui met 35 coups, il tombe par terre. On l'envoie à l'hôpital. Il revient. Il va à l'hôpital, il guérit. Ça le prend 6-7 mois, il guérit. Ses côtes, elles se remettent en place. Il revient au Beddin, allez 35. Non, mais il est plus fort normalement déjà quoi, parce qu'il a il a alors 38, 40. En tout cas, on finira avec lui tous les 5 fois 39. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas. Pour chaque verre. Ouais. Le Ben Ishraï. Non, on dit que là on parle d'un cas où il sait qu'il y a un verre, on le prend le verre et il le mange. Ben Ishraï. Raconte. Une fois, il marchait dans les rues de Bagdad et il voit une femme en train de préparer une salade avec la laitue. Il s'approche vers cette femme-là et il lui demande « Combien tu as de cheveux sur la tête ?» Comme ça, il demande à la femme « T'as combien de cheveux sur la tête ?» La femme lui dit « Quelle question bizarre, Gvodara, combien de cheveux sur la tête ? J'en ai beaucoup, je ne sais pas. » Des milliers. Il lui dit « Sache que la salade que tu vas manger... elle contient plus de averot que de cheveux que tu as sur la tête. Ah, là, c'est... Pourquoi ? Elle va manger la salade, elle va m'en donner à son mari, elle va donner à ses enfants, elle va donner aux voisins, et à Bagdad, tout le monde mangeait ensemble. Okay. Elle va prendre l'averot de tout le monde. Mmh. Vous croyez quoi ? Une fois, j'ai un ami, il était invité chez quelqu'un en France, les gens qui sont pas, ils respectent pas Torah Mitzvot, il dit la viande, je mange pas, le poisson non plus, je mange pas, le poisson, c'est pas évident, on croit que le poisson, c'est mouta. Par exemple, le thon. Il y a combien de sortes de thon ? Ah, le thon rouge. Non, thon normal. Combien de sortes il y a de thon ? 14. Combien il y en a qui sont cachères ? 4. Ah bon, sur 14 sortes de thon, il y en a 4 qui sont cachères. Il y a des sortes qui n'ont pas d'écailles, il y a des sortes qui ont ceci, il y a des sortes qui ont cela. Il y en a 4 qui sont cachères. Alors tu vas en France, tu dis, moi j'achète du thon, moi je mange du thon au restaurant. Le thon, qui dit qu'il est cachère, peut-être c'est du taref, c'est comme du porc, c'est pareil. Du thon pas cachère, c'est comme un morceau de vieux taref, c'est la même chose. Faut attention, faut manger que où c'est écrit cachère. S'il n'est pas écrit cachère, on mange pas. Maintenant, hein. J'avais un ami, il était invité donc chez ces gens-là. Donc le thon, il mange pas, les salades, il mange pas, il mange rien. On lui donne la salade, la laitue. Il prend la laitue, il vient pour manger, il lève la feuille comme ça, il voit une fourmilière dans son assiette. Les gens, ils ne vérifient pas ça, ils ne vérifient pas la salade. Ils la rincent un petit peu. Il y en a dans l'épaisseur de la feuille, il y a des vers. À l'intérieur, tu peux rincer avec un karcher toute la feuille, il ne partira pas. Il est dans l'épaisseur même de la feuille, le vers. Il ne pourra pas partir. Comment on vérifie ? On vérifie à la lumière chaque feuille. Quand on voit s'il y a un petit sillon comme ça, on sait qu'il y a un vers dedans. Et qui c'est qui fait ça ? Personne. Rien. Ça, c'est les choses sur lesquelles on est chayav. Malkout. Alors pareil, le chametz à Pessah. Celui qui mange une miette de chametz à Pessah, il est chayav malkout. Flagellation. Il prend des coups, 39 coups. T'as pas le coup.
Maintenant, hein, faut comprendre. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Rambam. Il faut comprendre quelque chose ici. On a une règle. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les... dans la Gemara. On va faire un peu de Gemara ensemble. On a une règle dans la Torah que Chatzi Shiur Asur Min HaTorah. Ça veut dire quoi, Chatzi Shiur Asur Min HaTorah? Le Shiur, c'est la quantité pour être Hayab. Dans toute la Torah, pour être passible de la peine qui est écrite dans la Torah, à part la Malkout, pour être passible de karet, par exemple, le jour de Kippour, celui qui mange Kippour, il rêve karet. Il faut manger un chiot, il faut manger une quantité. Quelle quantité? Gros guérette, 40 grammes à peu près. Pour être hayav à Kippour de karet pour manger, il faut manger 40 grammes. Maintenant, on tient dans toute la Torah, dans tous les Issourim, que la moitié, ça veut dire moins que la quantité qu'il faut pour être passible de la peine de la Torah, c'est interdit, mais la Torah. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un il va prendre un mélange de lait et de viande. C'est moutard, c'est assour. Celui qui va manger ça, il est chayav malkout. Oui. Combien il faut manger pour être chayav? Kazaït. Maintenant, sache que même une miette, une goutte, on est aussi chayav. On n'est pas chayav de la peine qui est écrite dans la Torah, mais c'est un interdit de la Torah. N'importe quel issour, dans toute la Torah, chélev, chélev, c'est de la graisse interdite. Il y a dans la bête des graisses à l'arrière qui sont interdites. Ça s'appelle chélev. Celui qui mange ça, quelle est sa peine? Retranché du peuple. Karet, celui qui mange la, du chélev. Il rêve karet. Il a fait la shrita de la bête comme il faut. Tout, et la bête, elle est cachée à 100%. Il prend le chélev, il rêve karet. Maintenant, quelqu'un qui va manger un kazaï de chélev, il rêve karet. Quelqu'un qui va manger une goutte de chélev, il n'est pas rêve karet, mais il rêve malkout. C'est un interdit de la Torah. Après qu'on a vu que dans tous les interdits de la Torah, la règle s'applique. C'est-à-dire, chatzi shiur, même une partie du volume, quand même c'est interdit. Pourquoi le Rambam, il a besoin de préciser dans Hametz spécialement, que celui qui mange un petit peu de Hametz, c'est interdit? Ça, c'est une règle qu'on connaît dans toute la Torah entière. Pourquoi dans Hametz, il nous la répète? Tu vois, dans les interdits de Chélev, le Rambam, il n'a pas écrit. Dans Bassar Vechalav, il n'a pas écrit. Dans tous les interdits de la Torah, le Rambam, il n'a pas écrit. Il a écrit une fois la règle. Sache que dans tous les interdits de la Torah, même si on mange la moitié ou une partie, on est passible. Ça, il s'odoraïta. Il n'y a que dans Hametz où il le répète. Pourquoi dans Hametz il le répète? Écoutez bien, tzaddik. Le Hametz, c'est un interdit spécial. Spécial. Très spécial, le Hametz. Le Hametz, c'est le symbole par excellence du mal. À tel point que dans Shara Kavanot, un livre du Harizal, les élèves, ils ont demandé au Harizal, comment c'est possible que toute l'année, on a le droit de manger du Hametz? Normalement, toute l'année, le Hametz, il devrait être taref comme le porc. Comment on aurait fait ça, alors? Des matzot? Il n'y avait pas ce yann de matzot avant Pessah. Quand la Torah, elle a été donnée, pourquoi la Torah, elle a permis de manger du pain? La question, elle est pourquoi? Puisque le pain représente le mal. Le pain, c'est le symbole du mal. Le pain, c'est le symbole du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, dans la Gemara, dans Brachot, il est comparé à la levure. La levure, c'est elle qui fait monter le pain. C'est pour ça qu'on fait bosser sur le pain, pour élever... Non, normalement, on ne devrait pas faire motzi sur le pain. Le pain, c'est mauvais. Le pain, c'est mal. Normalement, on devrait manger des matzot toute l'année. Eh oui. Mais pourquoi c'est permis? Le Harizal, il leur a dit, puisque pendant Pessah, 7 jours, un homme, il fait attention de ne pas manger du pain, ça lui suffit pour anéantir la force du Yetzer Hara qui est dans le pain pour toute l'année. Et ça lui permet de manger du pain dans l'année. 7 jours, on fait attention, ça permet de manger du pain toute l'année. Mais le pain en soi, si ce n'était Pessah, c'est mortel. Mortel. Le pain dans le temps, bon. La levure. Le fait que ça gonfle. C'est lié, etc. Tu sais, il y a des aliments dans le monde qui sont très dangereux pour la santé. Oui, il y a des plantes qui sont mortelles. Un homme mange une certaine plante, il meurt. Oui. Il y a des animaux aussi qui sont mortels. Un homme mange un morceau de scorpion. Il a envie de manger du scorpion. Il a le droit. Il a le droit. Un goy, il a le droit de manger du scorpion. Il a le droit. Il veut manger une patte de scorpion. Une patte de scorpion, il peut mourir. C'est un aliment qui est très, très nocif. Le pain, normalement, quelqu'un qui mange du pain, il est mort spirituellement. Impossible. Il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie d'étudier, il n'a plus envie d'être juif, il n'a plus rien envie. Il n'y aurait pas eu de birkat Amazon, alors?
sur un matin. Pourquoi à Pessah, tu ne fais pas Birkat Hamazon, toi? Si, mais la matin, alors, en dehors de Pessah, je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Pessah, il y a l'année. Il n'y a pas du pain. En dehors de Pessah, dans l'année, pardon, il y a du pain. Alors, ce n'est pas le pain classique. Oui. Mais s'il n'y avait pas le pain, comme à Pessah, que c'est 7 jours où il n'y a pas le pain, tu fais Birkat Hamazon sur la matin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sur la matin. Comme pendant Pessah. Pareil. Le Hametz, c'est quelque chose de très, 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 très négatif. Et vient le Rambam, il nous dit comme ça. Sache qu'il faut que tu te comportes avec ton Yitzhara comme tu te comportes Pessah avec le Hametz. Le Hametz, il est interdit à Pessah, mais Machéhou. Machéhou, ça veut dire n'importe quelle quantité. Pas comme dans tous les interdits de la Torah, où si jamais il y a un petit interdit, une petite quantité de porc, par exemple, qui se mélange dans un plat de viande, il est annulé. Il s'annule. S'il y a 60 fois la quantité qui est tombée, c'est annulé. Un peu de lait qui se mélange dans de la viande, s'il y a 60 fois la quantité de viande, le lait est annulé. Tous les interdits sont annulés quand il y a 60 fois la quantité en permis. Faut pas le faire avec Kavana, quoi. Non, faut pas le faire avec Kavana, mais si c'est tombé, du lait, tu as fait un plat de viande, la femme elle a pris du lait, elle s'est versé un café au lait, il y a une goutte qui est tombée dans la viande, okay, c'est permis, tout le plat il est permis. Batel Bechichi, il y a même parfois Batel Berov, comme par exemple, tu as un morceau de viande taref, il s'est mélangé avec deux morceaux de viande cachère. Il n'est pas reconnaissable. Tu ne peux pas savoir c'est lequel. Tu as le droit de manger les trois morceaux. Ah, Batel Berov. Hmm? Ça, c'est sympa. Okay, une fois, j'ai dit cette halakha à des Rama Haaretz. Ils étaient contents, ils étaient contents. Ils ont dit, ah, c'est magnifique. Ah, donc, on peut manger alors du taref. On a compris alors, les gars. C'est interdit de manger du taref. Seulement, si c'est tombé, ça s'est déjà mélangé. Il y a quatre avis. Il y a un avis qui dit que tu dois jeter un morceau et manger que les deux qu'il y a devant toi. Il y a un avis qui dit que tu peux manger les trois morceaux, mais un après l'autre. Un seul, après un autre, et après un autre. Il y a un avis qui dit que tu peux manger les trois, si c'est des petits morceaux, tu peux manger les trois en même temps. Bien que c'est sûr que tu manges l'interdit. Même si tu manges un après l'autre, c'est sûr que tu manges l'interdit. C'est permis. Ça s'appelle batel, bitoul. Ça s'annule. Le Hametz à Pessah ne s'annule pas. Même s'il se mélange dans une quantité d'un milliard, il ne s'annule pas. Une miette de Hametz qui tombe dans 100 tonnes de matzah, toutes les 100 tonnes de matzah sont interdites. Tout est interdit. Le Hametz, il ne s'annule pas. C'est une des seules choses qui ne s'annule pas. Pourquoi? Parce que le Hametz, c'est le mal. On va relâcher la matzah, déjà, pour Pessah. Hein. Bataille. Il faut prendre que de la bonne matzah pour Pessah. Ça, vous allez la prendre dans les crottes Pessah. Bataille, bataille. Pour éviter d'aller au restaurant, pour mieux éviter tout ça, en fait. Une semaine, c'est bien de faire attention. Sauf si c'est un bon hercher, si c'est un restaurant badat, soit un bon hercher dans le restaurant, ça va. Ah ben, si c'est un restaurant où ils servent des pizzas cachant les Pessah et des pâtes cachant les Pessah et tous ces trucs-là. C'est vrai que vous m'évitez. Madaï. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend cette halakha là? Que le Hametz, il ne s'annule pas. Ah, Yaniv, ça nous apprend quelque chose de grand. Le Hametz, c'est le mal qu'on a en nous. Beaucoup de gens, comme nous tous, on fait du bien. On fait la tefila, on fait les mitzvot, plus ou moins. On étudie, on vient en cours le mardi, tous les jours. Ken, un homme, il risque de se contenter de ce qu'il fait de bien. Ah, mais il y a un petit peu de mal, quelque part. Il y a un petit peu de gava, bon, ça dépend des niveaux. Il y a un petit peu de regard interdit. Il y a un petit peu de la shonara. Beaucoup. Il y a... Il y a un peu de vol. Ken, au téléphone. Allô, déposer. Comment ça marche, déposer ici, oui. Combien vous déposez? Moi, vous allez gagner. Sûr, vous allez gagner, sans problème. Vous avez, voilà. Et combien de pourcents je peux perdre? 5% de perte. 95% de gain. C'est l'inverse, je crois, même pire encore. Je ne sais même pas s'il y a un pourcentage de gain. Ken. Ah, déposez, monsieur Dupont, déposez. Je m'occupe, je gère tout, le portefeuille. C'est
un petit peu de vol. On a le droit de voler un goy. Sur de oraita. Sur de oraita de voler un goy. Ben goy. Okay. Un petit peu de vol. Mais c'est pas grave, on est habitué. J'étais en France, truc panneau solaire. Panneau solaire. Ah. Ils m'ont raconté un petit peu qu'est-ce que c'est panneau solaire. Leicester. Panneau Leicester. Crédit, ils lui disent 10 ans. En réalité, il prend 30 ans, il ne sait même pas. On lui dit c'est remboursé par les. On l'embrouille, même moi, ils m'ont embrouillé. Ben, le truc par l'état, tu utilises, c'est rétroactif. Hein? Tout est du mensonge. Du vol, c'est du mensonge. C'est du Khilou Hachem. C'est du vol. Mais c'est comme ça. On te dit, c'est comme ça. Comment tu veux qu'on gagne droit? Tu gagnes rien. T'es un pauvre. Voler pour gagner. Mais les gens, ils s'habituent. C'est pas grave. Allez, viens, on n'y réfléchit pas. Allez, on avance. Oui. Alors ça, c'est encore une petite miette de Hametz quelque part. Il y a encore beaucoup d'Averot. Les gens, ils jouent au poker. Je reviens de France, là. Hein, peut-être, j'ai amené pas mal de choses que j'ai entendues de là-bas. Soirée poker. C'est la mode. Des gens qui ont des familles, qui sont bien, qui sont... Soirée poker. Ici aussi, c'est la mode. Non, je vous parle des gens qui sont mariés. Moi, j'ai reçu, moi, c'est Shabbat, jusqu'à 2h du matin, des couples, la bataille. À 2h du matin. Ceux qui croient que c'est du hasard, c'est pas du hasard. Tu te couches, il se couche dans la tombe, il se couche et il va se faire esquinter la tête. Non, c'est pas vrai. Celui qui joue au poker et qui met un shekel et qui le perd, c'est du Gezel Gamour. Du Gezel Gamour. Gezel Gamour. Monsieur Yaniv, on va écrire un livre bientôt, Yaniv. Tous les cours, il nous sort une halakha. Avec un goy, c'est permis. Avec un goy, c'est permis. Avec des goyim, c'est permis. Seulement les soirées poker qu'ils font, c'est entre eux. Casino, avec des goyim, c'est mouta. Loto, chez les goyim, c'est mouta. Tous ces jeux-là, chez les goyim, c'est mouta. Bien sûr. Ah, mais le loto, si on joue qu'une case. Assourd. Tu peux pas gagner alors. Non, une case et deux. Non, t'as compris. Une fois, tu as une grille. Ouais, une grille, pardon. Une grille. Assourd. Pourquoi? Eretz Israël. Alors voilà, j'ai lu un truc du Rav Arouche, et c'est, je l'ai lu dans son livre, que celui qui prend une seule grille, c'est permis. Moi aussi, on me dit ça. À son nom. Celui qui se prend une grille, il se fait griller. Je l'ai lu dans. Je vous amène le livre demain. Je te crois, ça reste assourd. Pour les Ashkenazim, c'est Mouta. Pour les Sfaradim, c'est assourd. On va pas rentrer dans le détail. Alcool Panim, maintenant on n'est pas en train de parler du sourd, de poker c'est ou pas poker. On est en train de parler. Une grille en France, c'est permis. Même sans grille, c'est permis. Je ne comprends pas, c'est un truc de païs. Alcool Panim. Ouais. Alcool païs. Voilà. Il y a de païs, on va pas rentrer dans le côté ilhatique qu'il y a dans le poker. Aval, les gens, ils prennent un système de vie où tout est permis. On rentre dans une habitude où tout, rien n'est mal. Où la femme qui reste sur Facebook, il y a des cas qui m'ont parlé, des gens qui m'ont parlé. Où le mari pleure, qui ne voit pas sa femme toute la semaine. Pourquoi? Elle est 24 heures sur 24 sur Facebook. Facebook. C'est Mouta. Elle a des enfants. Vous savez ce qu'ils font son fils? Leur mari me raconte. Maintenant, c'est une femme plus ou moins religieuse, c'est un peu plus ou moins religieux. Ses enfants, ils viennent quand elle est avec l'ordinateur sur Facebook. Il vient, il la dérange un peu, elle est en plein... Je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Crève! À son fils. Le mari, il me raconte. Ah, laisse-moi, crève, elle lui dit. À son fils. C'est des gens normaux. C'est pas des gens pas normaux. Seulement, ils sont devenus pas normaux. À cause de quoi? À cause de tout ce système de Mahmoud. Non, où est le problème? Le problème, il est qu'on prend l'habitude. Et que ça devient normal. Ça, c'est du Hametz. Encore un petit morceau de Hametz là. Ils nous disent, Razal, Hametz, il ne s'annule pas. Même dans un milliard, il ne s'annule pas. Tu ne peux pas vivre ta vie en disant, mais ça va. Je fais des bonnes choses quand même. Je vais à la tefila. J'étudie un petit peu.
J'essaye de faire le bien, j'essaye de pas voler, mon cœur, Aïkar, c'est le cœur. Vous allez te dire. Les Israéliens, les Français, ils disent pas ça. Les Israéliens, ils disent ça. Aïkar, c'est un lève. Moi, mon cœur, il est avec Dieu. Il te dit. Quand il est avec Dieu, il y a une crise cardiaque. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien du dos. C'est que le cœur, tu crois que ça marche? Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans le Olam Ma'aseh, dans le monde de l'action. Il t'a mis Borei Olam. Dans le monde de l'action, il faut des actes. Il faut que tu prouves combien tu es avec Dieu. Il faut que tu prouves la Yirat Shamayim. Vous savez, c'est quoi la Yirat Shamayim? C'est l'action. Quand un homme, il a une épreuve, il est face à une Avera. Il peut faire la Avera, il n'y a aucun problème. Oui, il est dans son site, là, sur son téléphone, et il y a des Averot, là, qui se passent devant lui. Combien d'Averot qu'il y a sur ces choses-là? Après, les maris, ils ont la tête tordue. Ils rentrent à la maison, ils demandent à leur femme de faire des choses tordues. D'où ça sort, cette tordue-là? De ces appareils-là. Il voit des choses tordues, il a l'esprit tordu, et sa maison, elle est tordue. Tout est tordu, après. Après, ils disent, on a des problèmes, grave. Comment on résout les problèmes? Les problèmes, c'est vous qui les avez créés, les problèmes. Vous n'avez pas de problème. Personne n'a de problème. Tout le monde est droit, la vie, elle est simple. L'homme, il se crée les problèmes. L'homme, il se crée les problèmes. L'homme, il tord son esprit. Asiti ha'adam yasha, c'est un pasouk. Vehemma bikshu chashbonot. Quand je vous dis, moi, j'ai fait l'homme droit. J'ai fait l'homme simple. La vie, elle doit être très facile. C'est eux qui cherchent des comptes. C'est eux qui cherchent les combines. C'est eux qui ne me font pas confiance. Pour la parnassa, ils vont commencer à faire des combines. Ils rentrent dans des problèmes. Pour résoudre des problèmes, il faut de l'argent pour les résoudre. Il rentre dans un système où de l'argent, pour résoudre les problèmes, cet argent-là, il crée des nouveaux problèmes, alors il faut le résoudre encore avec de l'argent, etc., etc. Alors que le système, il est très simple. Reste droit. Reste yacha. Problème de couple, il va se créer des solutions qui sont interdites. Ces solutions interdites, elles vont créer des problèmes, si vous croyez. Il y a des solutions faciles, ça n'existe pas une solution facile. Si tu ne te gères pas toi-même, si tu ne répares pas tes midotes à l'intérieur de toi, tu ne résoudras rien du tout. Quelqu'un qui a mal à la tête, il prend un cachet d'aspirine, il ne résout pas le problème. Il fait oublier la douleur. L'effet du cachet, il passe, la douleur, elle revient. Le problème, il est là. Ils ont des problèmes de couple, ils cherchent des solutions faciles. Solutions faciles, on ne va pas rentrer dans les détails. On est filmé. Ils cherchent des solutions faciles. Ces solutions faciles-là, elles vont apaiser le problème, elles ne vont pas le résoudre. Elles vont créer un nouveau problème qui est encore pire que ça. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Dans l'éducation, ce qu'ils font aujourd'hui pour éduquer les enfants. Vous savez, c'est quoi éduquer les enfants aujourd'hui? C'est les faire taire. Si j'ai un enfant qui tait, qui est calme, c'est un enfant éduqué. Si j'ai un enfant qui est barbare, c'est un enfant pas éduqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le fait taire. Donne-lui un iPad. iPad. Donne-lui là-bas. Assis-le avec le iPad. Mets-lui là-bas tous les films et tous les jeux et trucs. On n'entend pas de la journée. Vous comprenez comment ils éduquent les enfants? Je vous dis des choses que c'est pas un fridouche pour vous. Comme ça, aujourd'hui, on éduque un enfant. Mets-lui l'appareil, mets-lui le truc, donne-lui des jeux, et Scott, qui s'étouffe là-bas. L'enfant, il grandit avec toute sa saleté. Il devient pourri. Alors, quand il a 8 ans, 9 ans, 10 ans, il est calme. Il a 12, 13 ans, 14 ans, il fait ce qu'il veut. C'est fini. Tu ne peux plus gérer rien du tout. Terminé. Il fera ce qu'il a envie de faire. Et qu'est-ce qu'il fera? Ce que tu lui as montré. Tout ce que tu lui as montré. Toutes les bonnes valeurs que tu lui as inculquées, là-bas, il va les appliquer. Comprenez-vous les problèmes? Après, les gens, ils viennent et ils pleurent. Mon fils s'est fait virer de toutes les écoles. En France, c'est classique. Toutes les écoles. Après, il est obligé de le mettre dans une école goy parce qu'il y a des écoles juives qui ne les prennent plus. École goy, et vas-y, la délinquance, et le vol, et les arabes, et les filles, et les goyotes, et voilà. Après, il a 20 ans, le gosse, et le papa, il vient, et il pleure. Pourquoi tu lui as donné l'iPad quand il avait 5 ans? Pourquoi tu l'as laissé aller sur Internet? Pourquoi tu as dit des gros mots devant lui? Pourquoi tu as crié sur ta femme devant lui? Etc, etc, etc. Pourquoi? Solution facile. Tout ça, c'est des solutions faciles. C'est du Hametz, c'est Taref, ça. Ça, il faut l'enlever maintenant. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas laisser croire que non, Bezrat Hashem, ça va, finalement, ben voilà, on prie, on voilà, ouais, on étudie.
On essaye, ça va. Baruch Hashem. Et combien il y a de pourcentage de Khametz? 1%, il faut que tu l'anéantisses. Un petit peu de Khametz, il faut l'anéantir. Viens Pessah et te dit, tu dois faire Bdika Khametz. Tu dois maintenant prendre une petite bougie et chercher dans tous les recoins, même s'il y a une petite fissure dans un mur, tu dois rentrer la bougie là-bas et regarder, peut-être là-bas, il y a une miette de Khametz. Viens Pessah, Hazal, ils te disent, Ikhvot Pessah, il faut nettoyer maintenant tout le Khametz de l'année Shammah. Comme on a dit, si on arrive à le faire 7 jours dans l'année, on est vacciné pour toute l'année. C'est pour ça que la Rizal dit que Mouftar, que celui qui ne mange pas de Khametz à Pessah, qui fait attention, Kol Shu Khametz de Pessah, c'est sûr qu'il vivra toute l'année et il ne faudra pas. Toute l'année. S'il fait attention à tous les coins et les recoins de Khametz, dans tout ce qu'il va boire, dans tout ce qu'il va manger. Combien c'est important? Une parenthèse, même Béchogel. Même Béchogel. Non, surtout. Il dit pas Béchogel. Mouftachlo, il dit. Mouftachlo, shelo yecheta. On a tous mangé du Khametz. Adai. Fais attention à Pessah. Une parenthèse, les produits qu'on met dans la bouche. Et souvent, même j'étais chez des amis qui sont très religieux. Ils te vendent le même produit au supermarché. Un, il est écrit Kachar de Pessah. Et l'autre, c'est pas écrit Kachar de Pessah. Ils sont sur le même étalage. Les deux les mêmes, celui qui a rangé le produit, il n'a pas fait attention. Un, il y a un tampon, l'autre, il n'y a pas de tampon. Et lui, il en prend deux, il le met dans son chariot, et un, il n'est pas caché à l'épaisseur. Il met les deux bouteilles à table à Pessah, tu prends la première bouteille, tu vois caché à l'épaisseur, tu prends la deuxième, c'est pas caché à l'épaisseur. Fais attention au Khametz pendant Pessah. Encore une fois, tout le lien du Khametz, c'est annuler le Mashirou Khametz. Ce petit Khametz-là, il n'est pas Batel Beshishim. Il s'annule pas. Le Khametz ne s'annule pas, tu ne peux pas dire, mais de façon générale, ça va, je suis un bon juif, je fais des bonnes choses. C'est vrai que tu fais des bonnes choses, c'est vrai que tu fais des efforts. Aval, s'il y a un tout petit peu de choses qui sont négatives, un tout petit peu d'arvérot, ça ne s'annule pas. Tu ne peux pas annuler ça dans le tas et dire, ça va, pas du tout. Ça, c'est ce qui vient de Khazal nous dire, faire attention, le soir de Pessah, d'être propre de Khametz. Ou, dans sa Neshama, vérifier à la lumière de la bougie chaque coin et recoin qu'il n'y ait pas de problème chez moi. Et s'il y a un problème, ben, il faut le régler. Un problème de vol, prends sur soi, à partir de demain, je vais dire à M. Dupont au téléphone, toute la vérité. Rien que la vérité. Oui, vous pouvez perdre. Combien je peux perdre? Vous pouvez perdre beaucoup. Vous pouvez tout perdre. On est en Israël. Mais pas à Londres. Ça va, ça c'est pas méchant. Aval, je veux dire que la vérité, j'ai pas volé. Internet, je fais attention. Je fais attention. Et etc, etc. Commencez à prendre sur soi des choses. Loto, terminé. Poker, terminé. Blackjack, terminé. Le jeu de cartes, terminé. Celui qui est marié, faire attention à son couple. Faire attention à son couple, construire son couple. Être avec sa femme. Les gens, ils sont en France, je vous assure, Brabotaille. Ils ont tous le même problème. Problème de communication. Ils ne se parlent pas. La femme, elle se plaint de quoi? Je ne vois pas mon mari. Je dis au mari, qu'est-ce qui se passe? À quelle heure tu rentres à la maison? Ben, je rentre tous les soirs à 8 heures. Alors, je me retourne vers elle. Alors, il rentre à 8 heures. Oui, mais je vois pas mon mari. Il rentre à 8 heures. Je ne sais plus ce qui se passe. Non, c'est vrai. Finalement, après un quart d'heure où tu as parlé, il rentre à 8 heures. Elle, elle est à la maison. Seulement, elle est au téléphone avec sa mère pendant une heure ou sur Facebook. Et lui, avec son ordinateur en train de voir son truc, il ne se voit pas. Il y a des problèmes de shalom bayit, juste par problème de communication. Les gens ne se retrouvent plus. Les couples, ils ne se retrouvent plus, ils ne se voient pas, ils ne savent plus. On ne sait plus aujourd'hui s'asseoir et parler. Je leur ai dit, mais sortez un petit peu ensemble au restaurant, ça ne vous arrive pas? Ils disent, oui, ça nous arrive, on mange et on rentre à la maison. Parlez pas un petit peu? Non, ils ne savent pas parler. Je crois que tu as raison, c'est une bonne solution ça. C'est une bonne solution. Au moins, ils auront des sujets en commun à partager. Ouais, c'est pareil. Comprenez le problème? On a perdu toutes les valeurs, on a tout perdu. On est devenu des robots. On est devenu des robots de l'argent. On est devenu des robots de nos midotes. On est devenu des robots de tout ce qu'il y a de mal dans le monde. Et nous-mêmes, on n'existe plus. On n'est plus nous-mêmes. On ne sait pas se retrouver un mari et une femme. Et à parler. Ils me disent, les religieux, comment vous faites? Il n'y a pas de télé à la maison. Il n'y a pas d'ordinateur. Y a rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi?
rendez compte la gravité de la question. Ça veut dire que, à part ça, tu sais pas quoi faire. À part t'asseoir devant un film et voir des tmeim là-bas en train de faire les clowns, tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire. J'aurais dit, le vendredi, moi je suis pas beaucoup à la maison, c'est vrai, je pars très tôt et je rentre très tard. Mais le vendredi, c'est Shabbat, je m'assois près de Seouda, on a couché les enfants, je peux rester 5, 6, j'exagère pas, 6 heures d'affilée à discuter avec ma femme. 6 heures d'affilée. On parle de ça, et 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 on prend un livre, on ouvre un livre d'Alcha, et on discute des livres de ce qu'il y a là-bas, et elle donne son avis, moi je donne mon avis, on dit ça. Je comprends pas la question. C'est du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous, vous faites? Qu'est-ce que vous, vous faites? Ils sont assis comme les Hamars, devant un écran, comme ça, en train de regarder le Hamar. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Il dit, on va au cinéma, on sort, oui. Vous sortez? Oui, on va une fois par semaine au cinéma. Et pour eux, ils croient qu'ils sortent. Okay. Ils sont assis comme ça, les deux, sur un truc comme ça. Voilà, avec 150 Hamars dans la salle, en train de regarder des abrutis en train de faire le club. Voilà. Eux, là-bas derrière l'écran, ils ont touché leur cachet. Hein, et ils t'ont mis dans la poche. Je t'ai eu, ils te regardent. Ils ont en affaire de nous y rentrer dans les systèmes. On prend du film, du Dimion. Du Dimion, ah, on est emporté par le. Ils en ont rien à faire derrière, vous vous rendez pas compte. C'est du Dimion, c'est tout de l'imaginaire. Il y en a, c'est des fous des films. Des fous des films. Un film sur un film, moi j'en ai connu à l'Eshiva quand j'étais jeune, des barouins comme ça. Film sur film sur film sur film, que des films. À la fin, il est devenu producteur ou pas? À la fin, oui. Non, je ne vais pas te dire ce qu'il est devenu. Il est devenu Hamar. Là, m'a dit Mion. Moi j'ai un ami, c'était un fou comme ça des films, on a grandi ensemble. Fou des films, Ken. J'étais sûr que lui il allait devenir, je sais pas moi, Spielberg. Pas mal, Ken. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vendeur de DVD. Maboule. Avec tout le talent de film qu'il a, je veux dire, il avait du talent, hein. Il avait du style, il avait du truc, il avait du goût. Il avait... Vendeur de DVD. Voilà. Et c'est mort, il a fermé, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Rabotai, les gens, ils veulent se sauver de la réalité. C'est quoi le film? Bien. Déconnecte ton esprit, sors de ton corps, viens profiter. Il y a la musique, il y a les scènes, il y a les effets spéciaux, il y a ci, il y a ça. Il va dans l'univers, comme ça, il te montre les étoiles, les planètes. Une fois, ton frère m'a parlé des films de planètes là-bas. Ils sont dans le vaisseau spatial avec la fille là-bas, la belle. Il y a toujours la belle. Hein? Voilà. Ken. Et il voyage. Après une heure et demie, c'est fini. On allume les lumières. Chacun se voit. Ah, on est dans l'or lamazé. Hein? Tout d'un coup, on redescend comme ça. On était transporté comme ça. Hop, les lumières, elles s'allument. Et tout le monde se lève comme ça de la salle, comme ça. Et ça. Ah, ouais, on reprend. L'autre, il voit sa femme, on voit la tête, la même tête. Elle était pas mal, celle-là. Et ce qui se passe, c'est qu'elle, elle pense la même chose de lui. Elle aussi, elle a vu le beau gosse là-bas, en train de truc. Enfin, le beau. Elle voit sa tête à l'autre maintenant. C'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour retrouver cette... Il faut voir un autre film. Parce que la réalité, elle est dure. La réalité, elle est embêtante. Pour qui? Pour celui qui ne sait pas comment la gérer en bataille. Pour celui qui ne sait pas gérer ses midotes. Pour celui qui ne sait pas sur quoi se travailler. Celui qui ne sait pas les vraies valeurs. Il en a marre. Il ne sait pas comment travailler. Alors il faut qu'il s'évade. Alors des films et des films et des films. Et ce n'est pas que des films. C'est du Dimion. Toute la vie, c'est un Orlam de Dimion. L'Orlam Azé dans lequel on vit, il ressemble. C'est un grand Dimion. L'Orlam Azé, c'est un film. La mâche, qui est plutôt. Le Rolam Azé, c'est un monde de Dimion. Tout le Rolam Azé. C'est un monde de Dimion, avec des milliards de marionnettes, avec une mise en scène incroyable, tellement incroyable qu'on s'y croit. Tout. On se lève le matin, on va travailler, on croit que c'est nous qui travaillons. On a des gens qui nous font des affronts, on s'énerve. Toute une mise en scène incroyable. Après 70 ans, les lumières s'allument. Comme il est dans la tombe,
terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le film est fini, là, Aziz. Okay. Maintenant, il faut payer. Maintenant, il faut rendre des comptes. Il se réveille. C'est pas moi qui dis ça. C'est écrit dans les Tehillim. Aïnou Kecholmim. Az Aïnou Kecholmim. Là, on verra qu'on était des rêveurs. On était dans un rêve. Un rêve, un film. À l'époque du Tehillim, ça n'existait pas les films. Pour employer le terme du film, on dit rêve. Le film, c'est un rêve. Le rêve, c'est éphémère. C'est du dimion, c'est de l'imagination. Le film, c'est pareil. C'est un rêve. Laurent Lamazé, c'est un rêve, c'est un film. Il ne faut pas jouer le rôle du mauvais acteur. Il faut prendre le rôle du bon, pas du mauvais. Alors c'est pareil. Tout Laurent Lamazé, c'est un inyan de timion. Tout Laurent Lamazé, c'est un inyan de mise en scène où on a l'impression que c'est réel et qu'il faut jouer le rôle, etc., etc., etc. Alors que tout ça, c'est du bluff. Il n'y a rien. Tu gères rien, tu fais rien du tout. Ni la parnassa, ni la santé, ni les enfants, ni la famille. Choum d'avar, tu gères. C'est bon, hein, l'homme qui gère tout. Seulement, il a fait une mise en scène pour te faire croire que c'est toi qui gères. Alors, qu'est-ce qu'on gère? Tzadik ou Racha? Shulchan Aruch. Tu prends le Shulchan Aruch, c'est expliqué là-bas, mot à mot, à la lettre, exactement ce que tu dois faire dans l'ordre. Prends-le et suis-le. Suis le Shulchan Aruch, tout ce qui est écrit. Tout ce qui est moutar et mitzvah, fais-le. Tout ce qui est avera, sauve-toi de ça. Ne te laisse pas avoir par ce dimion-là durant l'amazé. Ça, il faut faire attention à la bouteille. Ça, c'est Bidika Tramitz. Viens Pessah et tu dis Pessah, maintenant tu dois prendre la loupe, tu dois prendre le nerf et commencer à vérifier où il est le Khametz. Et qu'est-ce que tu fais avec le Khametz? Tu brûles. Enlève-le le Khametz. Brûle tout le Khametz. Brûle tout le mal qu'il y a en nous. Ça, c'est l'avodat de Pessah. Il faut se réveiller à Pessah. Faire attention, il ne faut pas louper ce moment-là. Surtout que je ne sais même pas s'il y a encore un Pessah l'année prochaine. Bichlal, avec ce qui se passe, les événements, tu ne sais pas ce qu'il y aura l'année prochaine. Ça va trop vite là. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? L'Iran l'année prochaine a la bombe atomique. Sûr, 1000%. Ah bon? 1000%. Les Arabes, ils vont traîner encore comme ça longtemps, tu crois? C'est terminé, tout, c'est fini la bataille. Un Pessah, deux Pessah, l'affaire elle est classée. Le film il va s'éteindre, les lumières vont s'allumer. Yalla, l'Aziz, où t'en es? Où t'en es? Ah bah non, le Forex, monsieur Dupont, c'est fini. Léo, yalla, on rentre à la maison. C'est fini les histoires. Maintenant, une seconde, il est en train de. Terminé. Terminé. Le film est terminé. Alors, il faut réfléchir maintenant et prendre conscience maintenant qu'il y a le maître du monde qui gère tout son âme, qui gère tout. Nous, il faut qu'on fasse attention à une chose, pas faire d'avérote. Pas faire d'avérote. Faire attention à la cacheroute, faire attention aux yeux, faire attention à la pensée. Faire attention au shlom bayit, au chinour de ses enfants, c'est tout ce qu'on peut faire. À part ça, on laisse Borei Olam gérer. Bezrat Hashem, ça c'est un petit peu quelques points sur lesquels il faut penser maintenant pour arriver à Pessah, Bezrat Hashem propre, celui qui arrive, l'El Haseder propre, qui a fait Cheshbon Nefesh, qui a fait ce travail, il peut recevoir le soir de Pessah des lumières incroyables de spiritualité. Ça veut dire quoi spiritualité? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu peut nous donner la force d'être conscient et de comprendre combien ce Olam Hazeh là il est matériel et combien il faut que l'esprit il soit beaucoup beaucoup plus spirituel. Donc l'Iran ils ont la bombe atomique, donc j'ai une question.